Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans ma morning routine spéciale maman. Donc, vous allez voir, je fais pas grand chose le matin. Donc, en règle générale, je me lève sur les coups de 7h, 8h. Bon, dans la vidéo, les plus tard, hein, je vous rassure. Mais en général, c'est vers 7h, quelque chose comme ça. C'est l'heure où mon bébé commence à se réveiller puisque ça y est, a fait enfin ses nuits. La première chose que je fais, c'est que j'ouvre mes rideaux pour voir un petit peu le temps. On fera pas attention à mon t-shirt qui est mis à l'envers, n'est-ce pas? Et bien sûr, je fais mon lit. Mon lit, je le fais à chaque fois quand je me lève parce que j'aime pas avoir les lits complètement destroy. Voilà, je le fais vite fait. Franchement, je me suis pas pris la tête à faire mon lit ce matin-là. Puis j'enfile un petit gilet tout pilou pilou parce qu'il caille quand même un petit peu encore le matin. Et je file directement dans ma salle de bain pour aller me laver. Bon, je vous épargne les produits que j'utilise sous la douche, hein, un gel douche, enfin voilà, c'est des trucs traditionnels donc je voulais passer. Une fois sortie de la douche, j'utilise de la marque Mailia. C'est en fait une crème soin minceur pour la cellulite. Vous avez un embout en fait assez sympa dessus où vous venez tout simplement appliquer vos produits sur les zones concernées. Donc moi en général c'est les cuisses et les fesses. Et vous venez en fait masser avec l'embout du tube. Donc ça c'est super pratique. Moi je fais ça à peu près pendant 5 minutes. Ensuite je viens appliquer ma crème de jour de chez Kiko qui est vraiment très très bien. C'est une crème hydratante que j'ai reçue de la part d'Octoly. Il n'y a pas si longtemps que ça et franchement elle est super bien, elle est vraiment très hydratante je trouve. Après pour les personnes qui ont la peau vraiment très très sèche, je ne suis pas sûre qu'elle sera vraiment, je suis pas sûre qu'elle vous conviendra. Ensuite je viens bien sûr, allez, ensuite je viens chercher ma poupée. Donc entre temps je lui ai bien sûr donné le biberon. Je voulais pas filmer parce que quand bébé commence à pleurer, hein, j'ai pas le temps de tout installer pour vous filmer. Et une fois fait je viens tout simplement la laver, donc ce jour là c'était au lit de toilette donc je vous ai passé ça aussi. Et bien sûr l'habiller. Une fois terminée, je descends dans mon salon, je viens la poser tranquillement dans son petit parc. Au moins je sais qu'elle est en sécurité et elle a tous ses petits jouets autour, donc c'est super sympa. Et j'en profite pour aller me préparer, donc bien sûr il y a mon chéri qui est en bas avec mes enfants, donc elle n'est pas toute seule. Donc avant d'aller me préparer, je prends bien sûr mon thé, donc c'est un thé de la marque Kusmiti. C'est un thé que j'adore, je trouve vraiment que c'était super bon. Donc moi je mets bien sûr un sucre. Les thés sans sucre c'est pas trop mon truc. Je trouve ça pas vraiment très très bon si on met pas de sucre. Ensuite je monte dans ma chambre et je viens tout simplement me maquiller. Donc je commence par appliquer un fond de teint. Donc en fond de teint je crois que c'est de la marque L'Oréal. Et je viens tout simplement me maquiller avec la palette de chez Too Faced, la Chocolate Bar, que j'aime beaucoup. Qui est une palette que j'aime beaucoup, qui était sortie il y a quelques temps pour la Saint-Valentin, il y a quelques années. Et je viens appliquer également mon contour des yeux. Donc en fait c'est la marque Sebelia que j'ai reçue grâce à la plateforme Influence for Brand. C'est en fait un anti-cerne qui est aussi, comment vous dire, qui nourrit également le dessous de l'œil. Donc c'est un 2 en 1, donc ça je trouve ça juste génial et j'aime beaucoup ce produit, la teinte me correspond absolument aussi. Je suis vraiment super ravie de l'avoir reçu parce que voilà comme je vous disais, c'est à la fois j'aime beaucoup ce que c'est à la fois traitant et c'est à la fois couvrant, donc j'adore. J'ai appliqué également un trait d'eyeliner et ma poudre. Ensuite je viens appliquer mon mascara de chez Kiko, donc que j'ai reçu de la part d'Octoly encore une fois. C'est un mascara qui est plutôt bien, c'est pas mes brosses préférées mais franchement il fait bien son job, il recouvre bien les cils. Le mascara est noir, bien intense, donc rien à redire dessus. Et je viens appliquer mon rouge à lèvres de chez Estée Lauder, je crois que c'est le nude, c'est les encres à lèvres. J'adore ces encres à lèvres, je les trouve juste magnifiques et ils sont super agréables à porter. Et voilà un petit peu pour le maquillage. Je voulais également vous parler d'un produit qui est le Fit Argile Concentré. Donc en fait c'est une argile que j'ai reçue de la part du site Influence for Brand encore une fois. C'est une argile en fait que vous pouvez mettre sur les articulations, les zones où vous avez mal, vous savez, les coudes, les genoux, les tendons, etc. Vous laissez agir quelques minutes et apparemment ça ferait des miracles. Donc je ne l'ai pas encore testé, je vais être franche avec vous parce que j'ai pas encore de douleur. Ensuite je viens me coiffer, donc ce jour-là j'avais pas envie de me prendre la tête.
Je viens tout simplement me faire une toute petite tresse au niveau dessus de la tête et un petit chignon et voilà, ça ira très très bien. Ensuite je viens choisir mes bijoux pour la journée, donc là je décide de mettre un ras de cou et quelques petites boucles d'oreilles. Je mets mon parfum de Amour Amour de chez Cacharel que j'adore. Pour terminer, je viens utiliser un gel de Andy, donc un gel antibactérien que j'ai reçu de la part d'Octoly, tout simplement pour me désinfecter les mains. J'aime beaucoup faire ça une fois que je me suis maquillée parce que vu que je manipule mon bébé, j'ai pas trop envie qu'elle chope des saloperies. Et j'aime bien sûr lui donner son autre biberon, donc, puisque ça fait à peu près 3 heures hein, entre la première fois et la deuxième fois. Donc bien sûr, je vous ai épargné encore une fois la prise du biberon parce que c'est beaucoup trop long à installer et mon bébé, quand à la fin, ne peut pas patienter. Et voilà un petit peu pour ma morning routine, comme vous voyez, c'est vraiment simple. Après moi, je me cale sur le canapé avec mon loulou ou mes enfants, là ma fille était partie jouer à ce moment-là. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très très vite. Ciao ciao, prenez soin de vous.